Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, je voulais faire un petit retour à chaud là. T'as vu, ça fume. Fait pas chaud, ouais. Là, donc, je suis en montagne, là, tu vois. Un peu pas dans les nuages encore, mais ça va peut-être pas tarder tout à l'heure. Et donc, je voulais te faire un petit retour rapide sur la NT1100. Bah, tiens, je vais peut-être mettre un peu de lumière pour le fun. Peut-être que. Ah, oui, voilà, c'est sympa. Hein? Voilà, donc je voulais faire un petit retour à chaud sur la machine. Bon, alors j'ai une selle confort dessus. Y a une différence avec la selle d'origine déjà pour commencer. Ça, c'est, il n'y a pas photo. Hein. C'est vachement moins dur. Tu me diras, c'est normal, c'est une selle confort. Hein. C'est le but. Hein. Ensuite, je voulais parler de. Donc la boîte DCT, la motorisation, c'est juste extraordinaire. Donc moi, je roule en mode manuel. Et j'ai les vitesses à la gâchette, hein, donc ça me permet effectivement de rester vachement mieux concentré sur la route. Et puis, comment dire, d'être concentré sur la route, de ne pas me déséquilibrer ou d'aller chercher un levier de vitesse ou de bien garder les pieds sur les repose-pieds. Donc c'est quand même vachement sympathique. Et puis c'est méchamment efficace, quoi. Hein, alors par contre, ça change un peu la façon de conduire, hein, parce que. En fait, tu arrives assez vite sur le virage d'après. Oh, ça, j'adore ça. Tu fais zing zing zing, et hop, ça y est. En fait, tu fais pas zing zing zing, hein, tu fais zing et tu es sur le virage d'après. Hein. Parce que la deuxième, tu vois bien la première à 100, la deuxième à 140, je crois. Donc, voilà quoi. Alors, après, donc, un petit mot sur l'amortisseur. D'origine, il était à 5 en sortant de la concession. Alors il a peut-être été modifié, j'en sais rien, parce que c'est une moto d'occasion, 1000 km, 14 000 euros quand même, ça pique un peu. Donc l'amortisseur était réglé à 5, alors je l'ai laissé à 5, j'ai descendu, bon c'est vrai que la moto était un peu plus souple, c'était confort, par contre un petit peu à grande vitesse, largement au-dessus de 80 à l'heure, sur les routes, tu vois, les petites routes comme ça là, hein, tu vois, où c'est un petit peu défoncé quand même. Bon, la moto elle a quand même tendance un petit peu à bouger, donc j'ai repassé l'amortisseur à, comment dire, à 7 crans comme normalement elle devrait être, ce que j'ai pu voir, hein, en sortie d'usine, et j'ai remis 7 plus 5, hein, je fais 75 kg on va dire, donc 7 plus 5, bon voilà, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il fallait un cran par 10 kg, bon. C'est déjà bien assez raide comme ça, mais par contre, effectivement, ça a carrément changé le comportement de la moto. Ça se dandine moins un petit peu, largement au-dessus de 80. Et puis surtout, ça a dû remonter un petit peu l'arrière parce que j'ai l'impression que j'ai les pieds un peu moins à plat. Voilà, donc les premiers tours de roue, là, je l'ai récupéré ce tantôt. J'ai fait 80 bornes avec, là, enfin, j'ai encore pas fini, là, j'ai fait deux petits cols, on va dire. Je vais en faire un petit col pour André. Je vais tester les anti-brouillards de nuit, là, enfin les longues portées de nuit. Voilà, autrement, après, bon, cette moto, ben, ça fait un peu débat. Hein. C'est sûr que certains la trouvent pas jolie. Moi, je la trouve relativement élégante, hein, comme ça. Écoute, bon, après, c'est. Les goûts, les couleurs, c'est toujours assez difficile. Voilà, et puis donc, j'ai une montre avec des quoi? Ah, des Dunlop. Bon, ben, je connais pas du tout, j'en ai jamais eu. Bon. Écoute, ça a l'air plutôt de pas mal accrocher. Il y a déjà eu quelques virages quand même un peu bien penchés. C'est vrai qu'on peut vraiment bien attaquer là, hein, avec cette moto. Il faut durcir les suspensions si on monte un peu en vitesse, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment trop mou après, quoi. Voilà, donc je m'éclate. Hein, voilà, c'est vraiment génial. La position de conduite est pas mal. Je suis légèrement trop en avant, donc je vais certainement commander des pontets pour rehausser le guidon et le ramener à l'avant. Là aussi, j'ai vu qu'il faudrait certainement que je commande, voilà, la rallonge ici, là, pour parce qu'apparemment ça passe pas. Mais autrement, bon, voilà, tout est bien. La selle confort va quand même pas mal. Les rétros sont pas mal. J'ai trouvé un chouïa petit quand même pour moi. J'étais habitué avec la TRK 702 qui était un peu plus grand. Et puis grosse différence aussi avec la TRK. Ouais, t'as vu, je m'aperçois que t'as vu, je suis en mitouflé quand même. Hein. Différence avec la TRK, c'est que elle est, enfin,
c'est quand même moins bruyant que la TRK, hein. Je suis pas obligé de faire gueuler la sono dans le casque là pour entendre la musique, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même aussi, c'est pas mal. Mais vraiment, 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 le top du top, c'est cette boîte DCT, c'est un truc d'enfer. Alors, la boîte auto, je m'en sers pas trop pour l'instant. Bon, si tu roules tranquille, oui, c'est super confort, tu la mets en mode sport, et puis tu te promènes même à vive allure, on va dire. Mais si jamais tu es un petit peu, comment dire, en train de, en mode attaque, attaque dans les virages, tu vois, vaut mieux la mettre en manuel, et puis au moins tu passes tes rapports toi-même, avec ton régime que tu as besoin, etc. Tu vas pas être surpris par un changement de vitesse à l'improviste parce que c'est toi qui gères. Sauf si tu arrives au rupteur et qu'elle va passer en haut. Puis si jamais tu mets un grand coup de frein, que tu plantes tout, bah, elle repasse en première. Donc ça, c'est génial aussi. Voilà. La bulle protège pas mal, effectivement, à grande vitesse, bien au-dessus de 80, on va dire. Ça, bon, tu sens quand même un peu l'air sur les épaules. C'est pour ça que j'ai vu des bulles Puig, apparemment, qui étaient un peu plus larges. Voilà. Mais je roule avec les gants d'été, hein. Il fait pas très très chaud. Et malgré tout, je suis avec les gants d'été. Les déflecteurs, hein, qu'on voit ici, hein, mais c'est bigrement efficace, ce truc-là, hein. Juste ça, là. Très sérieusement, ça te remplace les. Ça te remplace les pare-mains là, les protège-mains là. Voilà, écoute, bah voilà, je voulais juste faire un petit retour à chaud sur cette bécane. Allez, bah, tchou tchou, hein, à plus tard pour de nouvelles aventures. Hein.